Bonjour, alors quelle taille de lunettes choisir? Quelquefois vous me dites des choses, ça me hérisse les poils, je peux pas vous le dire, alors je vous le dis là. Quand vous me dites il me faut une taille 53, par exemple, hein, c'est complètement faux. Enfin, c'est complètement faux. La taille 53 d'un verre donne une bonne indication. Mais loin de là, si vous voulez, c'est. Comment vous dire? 53, c'est la taille du verre entre les bords. OK? Maintenant, imaginez bien que vous ayez deux cercles de 53. Je vais me mettre comme ça. Selon la taille du nez, on va les écarter ou les rapprocher. Donc, une taille 51 peut avoir le même rendu ou la même taille finalement qu'une taille 53 ou qu'une taille 49 ou ce que vous voulez. Ça dépend vraiment de la taille du nez et en plus de la taille du déport des tenons pour pas que ça vous frotte sur les tempes. Alors, on va voir tout simplement avec un petit tuto comment choisir la bonne taille de lunettes, c'est tout simple. Regardez, j'ai tout préparé. C'est comme ça, on va gagner du temps. Sur une monture, j'ai tracé une croix rouge, des deux côtés évidemment, au milieu. Le milieu du verre en largeur et le milieu du verre en hauteur. J'ai également tracé des traits noirs que vous voyez qui correspondent au tiers. C'est-à-dire premier tiers, deuxième tiers et également en hauteur. Voilà. Maintenant, on va voir porter où l'œil, il faut qu'il se pose pour que ça soit esthétique et en plus que ça soit confortable visuellement pour pas engendrer des déformations, des trop gros verres, etc. Regardez. Hop, je vais les mettre. Je vois rien à travers les grilles, mais bon. Hop, mon œil se situe entre le premier tiers et la moitié. C'est comme ça qu'il faut que ça donne un côté esthétique. Pour la hauteur, c'est un peu la même chose. Là, il se situe sur la barre du tiers supérieur, mais il faut surtout, surtout pas que ça soit en dessous. En fait, cette zone-là, absolument pas. Il faut pas que votre œil se positionne là. Et cette zone-là, surtout pas non plus. Également, le premier tiers. Si vous avez un œil, une grande monture, c'est la mode des grandes montures. Donc, si vous avez envie d'une grande monture, mais que votre œil est très à l'intérieur, on a l'impression que vous allez loucher. Alors, vous avez une lunette à la mode, mais ça ne vous va pas. Alors, donc, il existe hein, des différentes tailles, même sur ces choses à la mode. Il faut vraiment, vraiment suivre ça, s'il vous plaît. Enfin, parce que je vois dans la rue des choses, et puis en plus, vous êtes content. Mais bon, c'est pas beau. Bon, si vous êtes content, c'est le principal. Bon. Et évidemment, même chose, si la monture est trop petite, si vous voulez une petite monture rétro et que votre œil est trop petit, enfin que la monture est trop petite, votre œil va se situer à l'extérieur et on aura l'impression que vous avez les yeux qui partent comme ça. Voilà. Alors juste, regardez, encore une fois, voilà comment il faut que l'œil se positionne entre le premier tiers et la moitié. Pas entre le deuxième tiers, pardon, et la moitié, surtout pas par là. OK? Bon, eh bien écoutez, si vous voulez plus de conseils, vous venez directement au magasin chez Atolaviste et ce serait ravi de vous orienter, de vous aider. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.